tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Grincheux et Monsieur Mousse. Nous revoilà sur la tombe du père Gascogne qu'on a battu dans l'épisode précédent. Et on va directement partir en exploration sur cette carte. La dernière fois j'avais observé qu'il y avait un petit petite âme blanche là qui traînait comme quoi il y avait un objet. Ben, en fait il est tout en dessous, il est sur la gauche. Je l'ai repéré en regardant ma vidéo, en contrôlant, en faisant le montage. Et, oh, une broche rouge. Alors, voyons voir un peu ce que c'est. Je pense que c'est dans l'inventaire. Broche rouge. Broche rouge permet d'obtenir gemme sanglante en gouttes. Ok, ça me parle pas plus que ça. Ok, bon, je verrai ça plus tard au niveau de son utilité. Et on va continuer notre exploration en ouvrant directement la grille qui est tout en haut. Allez, j'ai là comme arme la lance-scie que l'on a acheté la dernière fois. Et on va... je sais pas si je la teste tout de suite. Parce que je me demande quel monstre on va avoir. Je préfère prendre celle dont j'ai l'habitude pour le moment. Pas mal de cercueils. Ça se demandait s'il n'y en a pas qui vont sortir des cercueils, apparemment non. Et bon, on va essayer de pas trop mourir. Hein. Ok, là c'est bon, zone safe. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Non. Grimpons. Ça fait pas mal de bruit hein, dès qu'on marche dans l'eau. Je trouve que c'est un poil trop bruyant par rapport au reste. Je laisse les cocktails Molotov actifs, hein. Là je suis en mode découverte, sait-on jamais. Y a-t-il des choses à lire dans cette bibliothèque? Où c'est où? Non, y a rien à lire. Ça aurait été intéressant qu'ils mettent... Ah si, voilà, y a quelque chose là. L'araignée de Birgenworth cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage. Cela fait trembler ma tête de façon incontrôlable. Ok. Donc il parle d'araignée. On va se retrouver avec une araignée géante. À coup sûr. Ouvrir le coffre. Ouvrir le coffre. Je fais. C'est pas un coffre piège, non? Ça va. Outils de l'atelier de gemmes sanglantes. Ok, donc ça se trouve, ça va nous servir au niveau du rêve du chasseur. Où est-ce que c'est? Outil. Permet de fortifier les armes grâce à aux gemmes sanglantes. Ok, ça marche. Ok. Ça se trouve, ça nous permet directement de fortifier nos armes sans aller au rêve du chasseur. Oula. Il y a une lanterne. L'ambiance, franchement, l'ambiance est sympa. Ça, je t'ai repéré dans la cinématique. C'est quoi? Je vais prendre la lanterne. Bon, théoriquement, à cet endroit-là, c'est censé être safe. Mais bon, on va quand même voir, essayer de voir quelque chose. Mmh. Oh, vous devez être un chasseur. Désolé. L'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes... La puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yarnam est perdu. Croyez-moi, mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle d'Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Et si ça ne vous embête pas. Ok.
l'encens, ça évite les monstres. Bon, ça fait un peu partie des rites religieux. Ah, donc voici. J'ai vu un chemin là. Ouvrir la porte, ça ne s'ouvre pas. Ok. Alors, je me rappelle qu'il y avait moyen d'aller ouvrir un. Enfin, d'obtenir une clé. Au rêve du chasseur qui vaut 10 000 âmes. Je me demande si c'est pas pour ouvrir cette porte là. Puisque nous sommes. Alors, je pense que c'est plus une église qu'une cathédrale, mais quoique, vu la hauteur de plafond. Et là, on se retrouve avec deux chemins possibles, soit tout droit sur la gauche. On va aller par là et explorer un peu cet ensemble. Bon. Oula, c'est quoi de ça? On dirait des chasseurs. Alors, je me méfie parce qu'en général, ça attaque. Oui, ça attaque. Wow, ça a de la vie, ça. Bon, le coup de bâton, ça va. Il a l'air facile à esquive. Bon, je me suis pris un coup quand même dans le tas, mais... Vous lootez rien, monsieur? Non, il loote rien. Ah, y a quelque chose derrière, là, de caché. Ouh, haute forme, tenue du chasseur, gant du chasseur. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bizarre ce qui vient de se passer. Là. Ouah! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Aïe! Genre! Putain, la vache! Oh bah, heureusement! Heureusement que j'avais pas de... Je sais pas qu'on dit à dame sur moi! On va regarder... Bah, du fait que j'en profitais, j'ai regardé la tenue qu'on a obtenue. Alors, au niveau des capacités, au niveau de la défense physique, l'autre forme est moins bon. C'est moins bon avec quoi? C'est défense contendant. C'est aussi bon pour apparemment ce qui est poussé. C'est meilleur en défense contre le sang. Donc en général c'est tout ce qui est arme. Contre la magie c'est meilleur. Contre le feu c'est meilleur. Contre la foudre c'est meilleur. Ok. Donc là on est sur un équipement qui serait peut-être meilleur face à la magie. Qu'est-ce qu'on en a là? Là ça serait... Donc pareil c'est la poussée. Ah là par contre c'est beaucoup moins au niveau de l'ésotérisme, c'est beaucoup moins. Par contre sur le reste c'est à peu près meilleur. Ah, la foudre, légèrement moins sur la foudre. Là on a la poussée, repère de l'ésotérisme. De l'ésotérisme. Le reste c'est pareil. Après là 60, 60, 50, on part sur la poussée. Et là, on repère un peu sur la foudre. Bah, vous savez quoi, on va s'équiper du chasseur. Ne serait-ce que pour le skin. Voir un peu à quoi ça ressemble. Mais vous voyez. Ah, je trouve ça classe. J'ai une petite préférence sur la tenue un peu pirate de tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, avec la canne, c'est vraiment chouette. Alors, ce que l'on va faire, bah, on va retourner quand même par là. On va redézinguer les personnes à la lanterne, là. Ah si, il est quand même troublé par mes attaques, mais il faut le... Pour le désarçonner, il faut quand même pas mal de dégâts. Je vais tester l'autre arme. Alors là, c'est encore à corps. Je vais la mettre tout de suite en longue portée. Ça fait moins mal que la canne fouet. Ouais, je vais prendre l'autre arme. Bon, faut dire que la canne fouet, maintenant, elle a été améliorée. Hein. C'est quand même mieux et beaucoup plus pratique. Ah, c'est lui. Ah, bah, GG. C'est lui qui avait mes âmes. C'est lui qui avait mes âmes. Donc, là, déjà, au niveau récupération, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Hop, on va se soigner. Bon. On sait qu'il faut pas aller à droite, parce qu'apparemment c'est possédé.
Fiole de sang, merci. Donc là-haut, on n'y va pas. On va carrément... Là, j'ai plus rien à prendre. On va continuer notre chemin. On est sur le haut de la cathédrale. Alors là, je vois qu'il y a Ingrid, mais bon, il y a rien de spécial. Il y a une vue de loin. Là, on a une vue sur les toits. Enfin, c'est froid. Là, 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 c'est... Faut essayer de se souvenir hein, de tous ces chemins-là. Parce que le but du jeu, c'est de se faire quasiment une carte dans la tête. Alors, qu'avons-nous là? Je repérais un chien sur la droite. Ça serait quasiment celui à éliminer tout de suite. Oh là là, la fumée, la fumée. Parce que le chien, c'est ce qu'il y a de plus vif dans le jeu pour le moment. Là, j'ai utilisé un galet pour l'attirer. Ouais, bah, j'ai bien raté. Ce que je vais faire, c'est qu'on va attirer le chien plutôt. Ouais, bah lui, je l'ai attiré bien avant de lui lancer la pierre. Le gars a rien calé. Bah, on va se les faire un par un. Allez. Encore un. Hop. Petit dernier. J'ai récupéré ce qu'il y a là. Des rosées de nécrosant. Des cocktails molotov. Ça fait toujours plaisir d'en recevoir gratis. Hop. Qu'est-ce que lui, là? Il avait une fiole sur lui. Là, je peux attirer les deux. Ça me dérange pas du tout d'avoir les deux. Les monstres, on les connaît. Ça se trouve, je suis en train de revenir sur mes pas. Voilà, hop. Des fioles, c'est très bien, des fioles. Du soin. Ça fait du soin, c'est cool. Ensuite, un gars qui m'attend là-haut. Sinon, j'ai cette espèce d'église qui est là. Ah ouais. Non, je peux pas rentrer. C'est dégueulasse ce qu'il y a sur la porte. Par contre, je peux rentrer là. Des âmes, j'en ai 2000. Ça, ça pue parce que c'est très serré comme... Si ça devient un champ de bataille, c'est assez serré. Ah, ça pue. C'est obligé que ça pue. C'est comme d'habitude. Lui, il va se relever. C'est obligatoire. Là, oh là là là. Allez, go, go, go. On se dépêche, on se dépêche. J'ai entendu quelque chose, j'ai entendu quelque chose. T'étais bien caché, mon salaud. T'étais bien caché. T'étais sur le côté. Ça, c'est fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait... ce personnage-là qui se réveille. On va titiller un peu, quand même. Parce que je trouve ça un peu simple. Même si je commence à flipper par rapport à l'ambiance, c'est ouf. Je trouve ça un peu simple. Où ça se trouve, ça sera pour plus tard dans le jeu. Une petite zone comme ça, là. Bon, ok. On va pas titiller le jeu plus que ça. Je pense pas avoir vu d'issue. Est-ce qu'il y avait une issue sur ce côté-là? Non, là, c'était un cul-de-sac. Hop. On trace tout de suite sur la gauche. Putain, je... Laisse tomber, j'ai les moins qui deviennent moites. Le fait qu'ils m'attendent là-haut, j'aime pas ça du tout. Voilà, pourquoi j'aime pas ça du tout. Ok, donc c'est un chien. Hop, oh là là. Allez, viens, 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 viens. Allez, hop, hop, hop. Et voilà, ça, ça bouge. Hop, ça c'est fait. Alors j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Alors lui, on va esquiver ses balles. Voilà, et de une. Et de deux. Hop là. T'as voulu nous surprendre. Ça c'est fait. Ensuite, sur quoi nous arrivons? Une porte. Bon bah, bonjour. Oula, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue. Là, je fais quoi sur un bal... Ah, il y a un mécanisme. Il n'y a personne. Là, il y a un objet à prendre. Ah, bah si, vous voyez. On est retombé à l'intérieur du bâtiment. Ah, ça pue. Je parie qu'il y a un passage, là. Allez, vas-y, vas-y, on y va. De toute façon, on n'est pas là pour avoir peur, hein, bordel. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a déclenché? On arrive sur une tombe. Comme une nécropole. Bon bah, il y a un appel, hein, je pense. Hein,
Ouvrez-moi, délivrez-moi de ce tombeau. 2700 âmes. Ça donne presque envie de faire demi-tour juste pour aller rendre nos âmes. Vous savez quoi? Petite ellipse, le temps d'aller prendre un niveau et on se retrouve devant ce tombeau. Nous revoici donc devant la tombe. Je suis allé juste prendre un niveau, donc j'ai rajouté de l'endurance à mon personnage, ce qui permet bien sûr d'esquiver plus facilement. Je me souviens du petit couillon là qui est planqué, là, salopard là. Hop, toi, voilà, hop, ça dégage. T'as failli m'avoir tout à l'heure. Bah là, je me suis souvenu que t'étais là. On va descendre dans cette tombe parce que je suis, bah, voilà, ça me. Ma curiosité me tuera. Haha, lol. Ok, on arrive dans une salle. Donc ça pue l'affrontement, de toute façon. Encore une fois, on nous attise avec un objet à choper au fond de la salle. J'ai contourné la salle. Et là, joyeux sanglant apaisant, j'en ai un. Je m'attendais à ce qu'il y ait autre chose qui m'arrive dessus. Alors, voyons voir un peu ce que c'est. C'est pas là. Jetons apaisants, jetons apaisants. Alors, joyaux sanglants apaisants. Gemme sanglante fortifiant les armes. Ok, est-ce que quoi je. Utiliser, non. Ok, bon, on verra. On verra, va falloir que je me renseigne sur ce genre d'objet. On continue notre exploration. Là, putain, plus ça va. Ok. Voilà, j'ai utilisé la torche. Parce qu'on arrive dans un endroit très très sombre. Wop. Là, il m'a vu. Est-ce qu'il passe la porte? Est-ce que la ruse de la porte peut être utilisée? Est-ce que la ruse de la porte peut être utilisée? Oui et non. Oui, parce qu'il repart à zéro. Molotov! Voilà. Allez, et puis on va le. Puis on va claquer la fin. Putain, la vache! Tout ce qu'il enlève en point de vie. Allez. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il est rapide. En même temps, je suis allé loin. Granulé de sang de monstre. Ok, bah c'est pareil. Je me renseignerai un peu sur l'utilité de tous ces objets-là. C'est sûrement l'évolution d'objets que nous avons déjà. Bon, ça, c'est que des choses qui se cassent comme ça. Donc, ça, c'est juste pour le fun. En l'air, il y a l'air d'avoir rien du tout. On va continuer notre exploration. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Là, il y a un paquet de trucs. Bon, ça sent le truc caché quand même, ces trucs-là. Non? Pas du tout. J'ai trop joué à Zelda ou autre. Ça se trouve, c'est le paquet qui est tout seul là. Pas d'issue à la con. Là, il y a. Une échelle. Ah, mais le loup-garou, laisse tomber, comment il est vif. Ah là là, on voit rien, on voit rien, on voit rien, on voit rien, ça fait flipper. Bon, le chemin. Non, il y a. On va aller voir ici parce que de toute façon, c'est. Ah, voilà, il y a un objet. Ah, de l'antidote. Alors, ça pue parce que c'est-à-dire que si le jeu. C'est une espèce d'indice. Si le jeu vous donne de l'antidote, c'est qu'il va falloir commencer à en acheter. Ça veut dire qu'il va y avoir des créatures qui vont m'empoisonner. Et vous allez perdre de la vie jusqu'à ce que vous utilisiez un antidote. Clairement. Je vois une lanterne. J'ai eu l'impression à l'instant que j'étais dehors. Il y a une lanterne. C'est pas un fake. Non, c'est pas un fake. Là-haut, il y a ça. 2400 âmes, c'est juste pas assez pour passer au niveau suivant. Certes, hein, je pourrais utiliser des nécros, enfin des rosées de nécro-sang pour me redonner de la vie, enfin pas de la vie, mais du sang nécessaire pour passer les niveaux. Mais je vais m'en servir que par rapport aux armes que j'utilise.
histoire de pas monter des compétences qui pourraient m'empêcher d'utiliser une des armes du jeu. Et soyons fous, alors certes, cette ville est abandonnée depuis longtemps, les chasseurs n'y sont pas les bienvenus. Sans déconner, sans déconner! Sans déconner, depuis le début, tout le monde m'agresse. Alors, c'est magnifique en même temps que c'est glauque, c'est trop bizarre comme ambiance, j'adore. Ça fait flipper, ça fait flipper. Alors, y a des bûchers, les bûchers, on va pouvoir s'en servir contre nos ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Y a un truc qui m'a vu là et qui a reculé. Oh, ça fait encore tellement de chemin, tellement de possibilités. C'est trop bizarre ce qui est parti là. Est-ce que ça je peux l'escalader? Alors ça c'est pareil, c'est le jeu, le mec c'est un héros, il est pas foutu d'escalader ça, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'essaye de grimper. Ou alors c'est quoi, je cours? Hop, non non plus. Va falloir trouver le chemin qui permet d'accéder à cet endroit-là. Je vais pas descendre, j'ai pas du tout envie de descendre. Faisons le tour. Alors je savais qu'on en était qu'au début du jeu. Je sens que je vais mourir. Vous avez pas vu l'avertissement? Faites demi-tour immédiatement. Le vieux Yharnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des monstres. Il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus. Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé. Déclinez votre identité, putain! Ça pue, ça, ça pue, ça pue. Ouais, mais non. Faut que je liquide le mal. Voilà, vu que tout le monde, de toute façon, cherche à m'agresser depuis le début. Cette personne ne veut pas que je vienne. Ça veut dire qu'il a quelque chose à cacher. Ça se trouve, c'est ce que je recherche, justement. Donc, pour... Ouah, t'es dégueulasse. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas la torche? Si c'est la torche qui t'éblouit, moi ça me va. Ah, c'est trop bizarre l'effet du coup là. Ça se trouve, c'est une créature comme ça qui s'est enfuie à l'instant. Oh là 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 là. Je suis pas rassuré. La fumée m'empêche de voir. Oh, c'est. Alors c'est quoi, faut que je cible. C'est ça qui les éblouit. J'ai utilisé la torche pour le flamber à la fin. Ça c'était pour le style, une petite exécution avec la torche. Alors, je vais. Oh là là, mais c'est pareil, il y a le plateau du haut, il y a le plateau du bas. Ouais, je t'avais pas vu toi. Ouais. Ah, ils sont super agiles, faut faire gaffe. Là, j'ai enchaîné mes coups. Encore une fois, la canne fouet, elle est très efficace par rapport à sa rapidité d'attaque. C'est vraiment une arme très solide. Je suis content de l'avoir choisie en fait en début de jeu. J'hésitais vraiment avec la grosse hache à deux mains qui fait certes des gros dégâts, mais qui vous ralentit, enfin qui ralentit, bouffe énormément d'endurance. Et là, les petits points d'endurance que j'ai ajoutés, se sentent quand même, hein, parce que j'enchaîne quand même 4-5 coups d'affilée. Ça me permet d'esquiver un homme à la capuche là, faut que je fasse attention à voir s'il n'y a pas d'autres créatures sur les côtés là qui pourraient me surprendre. Est-ce que j'ai le temps de faire un coup chargé? Oui. Donc là, pas très agressif. Facile à gérer pour le moment. Rosé de Nécrosang, c'est cool, hein. Ça c'est... Je prends, j'achète. Hein. J'achète. Là c'est visité, là. Est-ce que je peux... Non, je peux pas ouvrir la porte. Ah, les statues, c'est pareil. Encore une fois, je trouve ça beau et glauque. C'est génial, quoi. C'est génial. Bah, toi, t'as vraiment pas eu de chance, mon gars. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend, hein. Je vois que j'ai pas trop d'autres chemins.
Là, on a exploré juste avant, donc là, je vois qu'il y a un gars qui se balade, il nous a vu. Excellent chasseur, aguerri, impitoyable, sous de sang, comme le sont les meilleurs chasseurs. Là, je suis passé en fouet. Je m'attendais à ce qu'il parle plus, c'est pour ça que je disais rien. Alors, je suis passé en fouet parce que clairement, le but c'est de zoner. Parce que là, ils essayent de m'avoir par la quantité. Je vais le finir en normal. Ok. Bon, je commence à avoir pas mal d'âmes. Ça me permet de monter encore un niveau si j'ai besoin, mais j'ai pas envie de partir tout de suite. Ça serait dommage. On va explorer tranquillement, tranquillement. On se presse pas. De toute façon, c'est ça qui fait que je meurs à chaque fois. C'est la précipitation. Il y a moyen de se casser la figure là. Là, j'ai encore un passage sur le côté. J'entends des souffles. C'est pourquoi je dois vous arrêter. Ah, ok. Wow, 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 wow. Oh là 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 là, heureusement que j'étais derrière ça, derrière la statue. T'as le mec carrément, t'as une Gatling. Hello. Oh là 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 là, mais le mec, il est sérieux. Est-ce que là je suis protégé? Voilà. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Est-ce que je suis protégé? Est-ce que je suis protégé? C'est ça que je me demande. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je continue, mais je suis malade de continuer. Je suis malade de continuer. Ouais, comme par hasard, ils mettent des créatures. Ah. Putain, il a pas l'air de voir grand-chose avec son voile. Il était pas trop sur l'attaque, ça se trouve. C'est sauf si c'était une personne qui voulait me parler. Antidote. Je vais prendre un soin, c'est vrai que j'ai perdu un peu de vie. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la jarre. On a un chemin là, mais bon, ça me remet à découvert par rapport à la Gatling. Là, il y a l'armoire. Là, il y a le mur. Là, je suis protégé par le mur. Normalement, ici, je suis safe. Fragment de pierre sans, vous êtes bienvenue pour améliorer mon arme parce qu'il m'en faut 8. Oh là là, j'ai pas envie d'aller sur le côté. Ouais, putain, j'ai peur qu'il était vivant, il a bougé, mais. C'est un petit effet de vent qui est là. Où est-ce qu'il est avec sa Gatling? Est-ce qu'il y a quelqu'un là en bas? Oui, il y a quelqu'un en bas. Est-ce qu'il peut me toucher là ou pas? Wow, 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 wow. Oh là là, il tire sur tout ce qui bouge. Il tire sur tout ce qui bouge. Alors où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux aller? Parce que je vois qu'il y a un objet là. Si je vais contre le mur. Lui il est mort. Oui, lui il est mort. Si je vais contre le mur, normalement je suis protégé. C'est le fait d'être à découvert. Wow, 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 wow. Putain, c'est déjà renflammé. Il y a de l'essence dedans ou je sais pas quoi. Encore de l'antidote. C'est vraiment pas bon, hein, tout l'antidote qu'il nous donne. C'est vraiment pas bon. Où est-ce qu'il est, hein? Il est là-haut. Il est sur le côté. Alors, allons voir là. Wow. Oh, ça pue tellement, ça pue tellement, ça pue tellement. Ça pue tellement. Ah, je suis un peu ma plancouse là, mais faut que je sois sûr de moi au niveau du trajet. 4500 âmes, 4500 âmes. J'ai juste assez pour un niveau. Et vu tout le nécrosang que j'ai, on va se cacher là. On subit l'attaque. Là-haut, il y a des monstres. Là, ce que j'entends, ça doit être sûrement des bruits par rapport à ce qui est en bas. Allez, je cours, j'attaque direct ce qui est là-haut. C'est des corbeaux. C'est les corbacs. Les corbacs, il faut les cibler. Sinon, vous pouvez pas viser en bas, vous voyez, ça.
Et ils sont faciles à détruire. Attends, ah, encore deux fragments, ça c'est cool. Ça c'est pour mon arme. Putain, j'ai refait... Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de sauvegarder. Où est la sauvegarde, monsieur? Où est la sauvegarde? Là, c'est quoi? 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 Parce que si je rentre avec un boss, je suis tellement dans la merde. Ça pue le boss, ça pue le monstre assez costaud. Ouais, ouais, toi t'es rien, toi. Ah, c'est le même que tout à l'heure, ça. C'est, il est pas, pas super aguerri, ça se trouve. Voilà, hop. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Ça se trouve, il me voit juste où il m'attaque qu'au son. Voilà, il est mort. Hop, on prend les objets. Antidote. Oh, ça craint si j'ai déjà de l'antidote à prendre. Là, joyeux de teinte sanglante. Bien sûr, là, il y a un escalier. L'escalier, il est bouillé, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un autre endroit pour grimper. J'entends des bruits de pas, c'est horrible. C'est horrible. Là, je pense que je vais me remettre, voilà, c'est ça, je me remets en ligne de mire des attaques de la Gatling. Le seul truc que j'ai à faire, bah, c'est de courir, hein. De toute façon, je vois pas d'autre solution. Peut-être essayer d'attirer les monstres à l'intérieur du bâtiment, on va faire ça. Eh hey, les gars, vous êtes gentils, mais... Allez, on y va. Oh là là, ils m'ont coincé. Vous avez toujours des reins. Alors, la prochaine fois que vous reviendrez... Ah, c'est eux qui empoisonnent. Ah là 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 là, la vache. La vache, la vache. En fait, c'est plus stressant que difficile au niveau des monstres. Surtout celui avec sa Gatling. Ah, je suis dégoûté, j'ai 4500 âmes. Aïe aïe aïe. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les récupérer. On va essayer de les récupérer. Je suis parti par où? Par là, ouais. Allez, on va les récupérer. Donc, la créature qui avait couru là, je sais pas encore trop ce que c'est. Parce que là, vous voyez, ça, elle s'enfuit en fait, la créature. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on affronte, depuis tout à l'heure. Il est vrai que j'ai peu utilisé d'armes comme mes pistolets, etc. Allez, on y va, on y retourne. On massacre tout ça. Hop. Hop. Je vais pas aller au fond, hein. De toute façon ça sert à rien. Le but du jeu, c'est de ravancer là où on était. J'espère qu'il va pas utiliser sa Gatling là. Ou qu'il va attendre un peu que j'avance. Alors faire attention à pas se faire toucher par ceux qui ont un sac sur la tête. Ouch. Parce que apparemment c'est eux qui infligent le poison. Aïe, voilà, qu'est-ce que je viens de dire. Alors vous voyez, je suis pas tout de suite atteint par le poison parce que la barre n'était pas remplie jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'il faut se faire toucher plusieurs fois par ce genre de créature afin d'être empoisonné. Donc ça, c'est pareil, c'est un système qui fonctionne à la Dark Souls par rapport à ça. Encore une fois, je compare beaucoup à ce jeu-là parce que de toute façon ce sont les mêmes créateurs. Allez, on y va, on essaye de se souvenir là où il y avait des monstres. La Gatling, voilà, elle est là. Là, j'ai un mec qui empoisonne, qui est présent. On l'enchaîne, ça doit passer normalement. Hop, un gros coup, et on n'en parle plus. Ensuite, c'était... Non, c'était pas par là, c'était par là. Alors certes, quand on connaît le chemin, d'un coup... alors les jarres, est-ce que... Ouais, elles sont toutes revenues, les jarres.
elles sont toutes revenues. Vous savez les gars, je préfère vous éliminer par moi-même. Watcha. Voilà. Hop. Voilà. Vas-y, pète toutes les jarres. Ça me dérange pas du tout. Il y a encore des jarres à cet endroit-là. Je vais utiliser. Est-ce que je peux les cibler les... Je pense pas que je puisse les cibler. De toute façon, elles sont faites pour que ça soit lui qui me... Ah, wow, 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 wow. Aïe, aïe, aïe. Je vais garder ma torche. Et de toute façon, je cours, tu... Je cherche même pas à comprendre, je faut faire gaffe aux flammes. Les corbeaux. On les élimine, encore une fois, faut les cibler. Est-ce qu'elles sont toutes mortes? Non. Allez. Là, c'est mort. Pas de loot. Ok, ça, ça marche. Là, je suis protégé à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y avait là? Oui, il y avait des monstres ici. Hop. Ça s'en cache surtout un derrière. Qui était... je sais pas s'il était caché dans cette salle-là, là. Ah, c'est ça, ouais. Genre, Graou! Je répare la porte à chaque fois! Voilà, tiens, je m'en fous. Putain, j'ai réussi à le louper, quoi, je suis deg. Allez, ça, un grand coup, ça marche. Un grand, autre grand coup, ça marchait. J'ai eu de la chance, là, sur le coup qu'il m'a donné, j'ai cru qu'il m'avait touché. Mais non, ça va, c'est passé juste à côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que même technique que tout à l'heure, sauf que je vais faire demi-tour cette fois-ci. On court, on court, on court, on court, on court. On les réveille. Et demi-tour à l'intérieur. Allez. Cette fois-ci, on se laisse de la place. On se met tout de suite en main fouet. Voilà. Et on y va. On les assène de coups. La torche les éblouit. On profite de cet avantage. Je me remets en normal parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Et j'ai beaucoup plus mal en mode épée au niveau de la canne. Enfin, au niveau en mode canne, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis mode épée. Allez, on va tout au fond, on va voir si les... Wow! Wow, il y en a un deuxième! Oh, c'est dégueulasse! Allez, hop, suivez-moi les gars, suivez-moi, je suis là, je suis là, je suis là. Allez, à l'intérieur, à l'intérieur. Oh là là, il y en a encore un là. Allez. Faut que je fasse gaffe parce qu'ici il peut me toucher, il y a un angle de tir. Il faut faire vraiment attention. Oh, ouch. Ah, c'est lui qui a mes âmes. On voit pas trop avec le... Voilà. Ce que je disais, c'est qu'on voit pas trop avec le foulard, mais il avait les yeux qui brillaient, l'autre. Donc c'était lui qui possédait mes âmes. J'ai tout récupéré. Vu le farm que je viens de faire, je suis cool. C'est cool, je suis à plus de 8000 âmes. Ouais, il y a une lanterne qui vient de s'allumer. Ok. Ça, c'est genre... passe par là. Où est-ce qu'il est? Il est juste au-dessus. Il arrive à me flinguer, là, de juste au-dessus. J'ai de la chance, parce que la torche a l'air de le... comment? La lumière a l'air de leur faire quelque chose. Oh, je le tente ou pas, l'objet, là? Je le tente ou pas? Non, j'irai le ramasser, il faudra qu'on y repense. J'irai le ramasser une fois qu'on aura fini. Ah, comme par hasard, le chemin est bloqué, super. Pourquoi tu t'es allumé alors si c'est pas par là? Ok, c'est par la passerelle. Par la passerelle, il y a un bestiau qui s'enfuit. Est-ce que c'est celui du début? Ça a pas l'air d'être celui du début. Je pense que... Bouah! Bouah, ça me cherche comme un gogol, ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Lol. Je sais pas où t'es, je sais pas. Il avait l'air d'avoir un fusil. Ah, vas-y, grimpe. Grimpe, mon ami ou pas? Non, non, non. Bon, bah, allez, hop. On va repasser par la porte. Alors, je fais gaffe parce que je sais que la Gatling peut me toucher d'ici. Voilà.
Ok. Je refais une sortie. Putain, la vache, il m'a suivi. Allez, t'es où? C'est toi, là? C'est toi qui m'avais suivi? C'est toi qui m'a fait peur? Un gars normal, en fait? Non, c'est pas un gars normal. Il est toujours là, lui, en train de faire ses allers-retours. Ouais, bah alors? Tu viens ou pas? Vas-y, tu viens, allez, viens. Allez, je m'en fous, je suis un dingue. Allez, de toute façon, je sais que j'ai pas longtemps... Allez, bouge, cache-toi. Ah, ça pue. Qu'est-ce que c'est, monstre? Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Lui, ok. Wow! Ah, l'enfoiré, il m'a mis une balle. Il a eu le temps de me mettre une balle. Lui, c'est un mec empoisonné. Lui, il est désarçonné, de toute façon, à chaque fois que je le touche. Donc ça, c'est bon. Lui, il est ok. Ensuite. Toi, là. Au lieu de te cacher, là. Oh là, ok. Là, je peux me faire toucher. Ah, j'hésite. Je sais pas pourquoi j'hésite. De toute façon, allons l'affronter. Hein. Il va falloir. C'est ouf, ça, qu'ils viennent pas m'affronter là. Tout à l'heure, il était venu au corps à corps. Allez, il a tiré sa balle. On y va. Voilà, ça pue le gros monstre. Ça pue le gros monstre, ça. Allez, on y va, on l'a... Oh là, c'est quoi toute cette vie? C'est quoi toute cette vie qu'il a? Ça pue, oh, j'aime pas les bruits que ça fait. J'aime pas du tout les bruits que ça fait. Allez, est-ce que j'arrive à le toucher, ne serait-ce qu'un peu? On dirait un chasseur. Allez, moi je m'en fous, je l'enchaîne. Tiens, ça c'est cadeau ça. Oh là 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 là, les bruits, c'est dégueulasse, les bruits. Ouais. Allez, je profite parce qu'il a l'air d'être un peu bugué. Il a toujours envie de courir. Bah, tant que c'est ça, on y va. Par contre, il est quand même solide par rapport à. Ah, c'est tous. Ouf. Allez, vas-y, refais ton aller-retour. J'espère qu'il va pas nous one-shot. Franchement, ça serait génial. Allez, Coco, viens. Viens. Par contre, qu'est-ce qu'il a envie? Hop. Oh! Allez, crève. Ouais, c'est ça, c'est un chasseur. C'est exactement comme nous. 700 âmes. Cendre de moelle osseuse. Ok. Cendre de moelle osseuse. Ah là là, il y a encore des monstres comme nous on connaît depuis tout à l'heure, mais là si je vais là-bas, la Gatling elle va me déglinguer. Oh, les bruits sont horribles. J'ai vraiment pas envie. Et en même temps, bah, je suis bien obligé d'avancer, quoi. Si je me retranche, on s'ouvre pas de ce côté, ok, super. Allez, là j'ai quoi là? J'ai une échelle. Ok, l'échelle va vers les bruits. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là là. J'ai peur. Ah oui, mais non, ouais, non, je vais pas là-dedans. Vous êtes malade. J'ai clairement pas là-dedans. Ça pue tellement. Si je prends l'échelle, ça fait quoi? J'ai 10 000 âmes. 10 000 âmes. Si je meurs, laisse tomber. Là, ça va mieux au niveau des bruits. C'est déjà moins glauque. Il y a l'air d'avoir personne. Je pense qu'on atteint la personne là, qui était à la Gatling. Si je pouvais la désactiver... Franchement, ça serait cool, mais encore une fois, je suis en train de me dire, putain, j'ai 10 000 âmes sur moi. Je flippe d'avancer à cet endroit-là. Ok,
D'accord, le mec il est prêt quoi, il est chaud. Il est chaud. C'est quoi, il a une tronçonneuse? Il a une tronçonneuse. Allez, go go, on est un chasseur, on n'est pas un chasseur. Voilà, ok, donc j'ai compris. T'es comme nous, Molotov. Vas-y, casse-toi la gueule. Tout ce que je te demande, c'est de te casser la gueule, ça serait trop bien. Allez, récupère. Allez, allez, tombe, 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 tombe. Putain, tombe. Ma vie, je viens de voir ma vie. Allez, 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 esquive, esquive. Esquive. Oh, pff, joli. Allez, esquive. Oh, ça, ça... Oh, c'est plus... Oh, putain. J'imagine que vous avez toujours des rêves. Alors, la prochaine fois que vous rêvez... Oh, non. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Eh ben, on se quitte là-dessus, sur cette mort nulle. Ah. Allez, ciao, c'était Monsieur Mousse sur la chaîne de Grincheux et Monsieur Mousse. Lâchez un like, un commentaire pour me redonner la foi pour avancer dans cette aventure. Allez, ciao tout le monde.